Bon, on y va pour un tuto. On y va pour le tuto make-up pour le spectacle de fin d'année pour Aladdin. Donc voilà, à peu près. Donc j'ai des élèves qui m'ont demandé de faire un tuto, savoir comment j'avais fait la dernière fois que je suis venue maquiller pendant les cours. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'ai décidé de mettre des paillettes, après vous mettrez tout ce que vous voulez, j'ai fait à peu près dans chaque étape. Bon bah allez, c'est parti. Donc voilà, un petit tuto make-up pour les élèves qui m'ont demandé comment faire pour se maquiller. Je vais parler de marque parce que je sais qu'il y a pas mal de marques qui parlent à des élèves, mais on n'est pas obligé de s'acheter de la marque pour faire des beaux make-up. Et juste quand tu t'achètes du make-up, tu penses juste à prendre des choses assez pigmentées, sinon ça ne marquera pas en fait. Il y a des palettes qui ne sont pas assez pigmentées. Donc voilà, ça me fait bizarre de parler toute seule, mais bon. Voilà, donc j'espère que ce sera plus ou moins clair. Je vais juste vous expliquer les étapes en fait. Et puis voilà. Donc d'abord, bah, j'hydrate parce qu'avoir un make-up, on hydrate. Donc... Et du coup, on va faire le teint à la fin parce que, en fait, quand tu mets des paillettes, ça tombe. Donc voilà, on fera le teint à la fin. Bon, donc, je commence par un fixateur au niveau des yeux. Moi, mon fixateur, c'est chez Urban Decay. Après, tu peux trouver des fixateurs beaucoup moins chers dans d'autres marques, genre Peggy Sage. Voilà, et t'es pas obligé de mettre un fixateur puisque en fait c'est comme tu veux. Moi je préfère, puis je le mets tous les jours donc voilà. Donc la première chose que je fais, c'est mettre un fard orangé. Donc moi j'utilise un fard orangé de la palette Full Spectrum, mais tu trouveras des fards orangés de partout. Alors attends, parce que j'ai jamais fait de tuto, hein. Donc ensuite, je vais commencer à assombrir avec un petit peu de noir au niveau de la paupière. Utilisez la glitter glue de Too Faced pour coller vos paillettes, si vous mettez des paillettes. Sinon, tu peux utiliser ta colle à fossiles, ça marche très bien aussi. Donc les paillettes, je les ai trouvées chez Claire's, carrément pas cher. T'as pas besoin de... Quand tu fous des paillettes, tu en fous de partout, à savoir. Donc je vais mettre de la colle, un petit peu de colle. Donc voilà au niveau du make-up qui est très mal fait au départ, c'est normal. Moi tous mes make-up ils rendent rien au début quand je les fais, donc no panique. En plus les paillettes t'en fous partout, j'en ai plein les doigts, c'est merveilleux. Mais bon, c'est comme ça. L'eyeliner, alors moi j'utilise un eyeliner cake de chez Peggy Sage qu'une copine m'a conseillé et m'a acheté. Donc voilà, et en fait ça va trop bien. Donc en gros c'est ça. Et tu mouilles avec un pinceau.
et tu y vas pour le eyeliner. Et du coup, moi je finis par le teint, les sourcils et les yeux. La touche finale. Donc on se remémore, j'ai hydraté, ensuite j'ai commencé par les yeux, j'ai mis du fixateur, j'ai commencé par le orangé, j'ai rajouté du noir, j'ai ombré. J'ai mis des paillettes, mais t'es pas obligé d'en mettre. J'ai fait le dessous, eyeliner, faux cils, sourcils, non, teint, sourcils, rouge à lèvres. Et voilà. Et après, bah, vous avez plus qu'à passer à la coiffure. On s'attache les cheveux. Et en avant. On est pas pour le gala. À vous.